Tu peux le dire, ça fait quelques années aussi, ouais, hein, pour le Red Star. Ça fait quelques années. Allez, Johan Hamel est prêt, lui qui a déjà sorti deux cartons de sa poche au cours de la première période, un de chaque côté. Allez, Gazélec Red Star, c'est reparti. Et le Red Star qui doit absolument s'imposer pour espérer eh bien, revenir à deux points du Gazélec. Oui, mais voilà, les Odoniens sont menés 2-1 en terre corse. À cause ou grâce au but de Julien François à la 16e minute de jeu. Et pas de remplacement à la pause. Alors, Sébastien Robert vient de déclarer qu'il allait tout tenter en deuxième mi-temps dans le 11. Il prend pas trop de risques pour l'instant, il repart avec la même équipe. Hein. Oui, pas trop de risques. Alors, peut-être un réajustement tactique, on va voir. Mais j'ai l'impression que Castro est monté d'un cran et passé un peu plus sur le côté droit. Et on devrait voir une attaque avec Lee et Lefay dans l'axe. Donc, on aurait un système en 4-4-2 du côté francilien. Et ben on va suivre ça. En attendant, c'est Vincent Planté qui dégage. La tête de Philippi. Allez, Yelch qui va s'appuyer de nouveau sur Planté. Ouais, c'est bien ça. Hein. Lee et Lefay aux avant-postes. Et l'ouverture de Maketjouf qui a vu l'appel de Lee. Attention à Mori qui sort de sa surface. Le drapeau s'est élevé. Hein. Il était en position irrégulière, le Sud-Coréen. En position irrégulière, mais on a vu quand même que le fait d'être à deux devant, eh bien, ça offre des possibilités. Lee qui a pris la profondeur alors que Lefay venait de décrocher. Et on sent en tout cas sur les transmissions que le Red Star veut essayer d'aller de l'avant dans ses premiers instants de la deuxième mi-temps. Et vous avez aperçu Famara Diédiou qui n'a pas eu l'occasion de vraiment se montrer au cours de cette première période. Lui qui est le meilleur buteur du Gazélec, hein, 10 réalisations et qui fête aujourd'hui ses 22 ans, le Sénégalais. Prêté par Sochaux hein. Et qui était à Épinal la saison dernière. Il a des stats assez flatteuses d'ailleurs en national hein. C'est son 60e match, il a marqué plus de 20 buts, ce qui est quand même pas mal, c'est assez honorable pour un attaquant. Ah, l'Arbi, il est bon ce ballon pour Diédiou justement. Et Famara Diédiou qui est passé, qui va frapper, il a été bien pris au dernier moment par Fardin. Heureusement le retour de Fardin parce que Diédiou avait bien crocheté intérieur, il s'apprêtait à frapper avec un angle assez ouvert. Mais c'est sans compter sur le retour de Fardin qui est venu subtiliser le ballon. Et du côté du Red Star, on va peut-être penser en tout cas à un changement parce que trois joueurs sont partis à l'échauffement. Geoffrey Tulane, Djibril Sidibé et Alexis Lafont. Ah, il va être obligé de tenter le tout pour le tout. Hein, et le déclarer au micro Laurent Dupluy à la pause. Sébastien Robert. Il y a déjà un réel changement hein, sur l'équipe. Ouais, au niveau du dispositif. Au niveau du dispositif, son équipe n'est plus la même qu'en première mi-temps, avec les mêmes joueurs. Mais on sentait bien que Lee, côté droit, il n'était pas très à l'aise. Alors, sur le banc, il a comme solution Tulane ou également Lafont, hein, que tu connais bien, LDR. Oui, des joueurs percutants de couloir. Et attention à Bougédra, le centre de Bougédra, la barre de Mohamed Larbi, c'est pas terminé. Avec Fabre, le bon crochet, il a toujours le ballon, la frappe et l'arrêt. Superbe envolée de Vincent Planté. Ah, il est peut-être allé sauver le Red Star, Vincent Planté. Ouais, grosse réponse des locaux sur cette situation, cette double situation avec ce centre de Larbi. C'est même Bougédra pour Larbi. Bougédra pour Larbi, tout à fait, Nicolas. Ouais, très bel arrêt de Planté. Hein. Ouais, Planté qui fait un exploit hein, malgré tout parce que cette frappe de Fabre à ras du poteau, elle me semblait cadrée. Et c'est bien sûr Fabre hein, qui va frapper ce corner et il va être rentrant et du coup il va être pied droit. J'ai l'impression que ça va se tâcher en deuxième mi-temps. On va voir du spectacle. Ah, restez avec nous alors. Il est frappé au premier poteau encore. Et il va sortir en touche ce ballon. Ouais, un petit peu moins bien frappé là, de la part de Fabre. Et remise en jeu à venir pour Johan Andreu. Allez, le 1-2 avec Larbi. Et revoilà le Tunisien, Larbi. Lui qui a grandi à Orléans. Qui a donc officialisé sa montée en Ligue 2 ce soir devant les caméras de ma chaîne Sport. Victoire 2-0 face au PFC. Si vous voulez nous rejoindre au stade de la Source. Allez, Bougédra qui est face à Marie. Et il a encore passé Bougédra et dans l'intervention de Kroos. Beaucoup de facilité d'élimination chez ce joueur.
Et il adresse un ballon au premier poteau. Diédiou était un petit peu court pour pouvoir le reprendre. Allez, Johan Andreu. Le ballon récupéré avec un peu de réussite là, de la part des Odoniens. C'était Makedjouf. Allez, le drapeau s'est levé. Hein. Son ballon est sorti. Allez, nouvelle touche pour Johan Andreu. Ouais, c'est bien fait ça de la part de l'Arbi. Et bonne sortie, très belle sortie de Vincent Planté. Ouais, très très bon mouvement de la part de l'Arbi qui a su protéger son ballon et ensuite se mettre en position pour bien centrer. Un très bon centre pied gauche. Mais Vincent Planté était attentif. Ouais, il est rassurant hein, le portier du Red Star. Petite main là signalée par Johan Hamel et coup franc à venir pour les Odoniens, la main de Florian Fabre. Là on voit énormément de joueurs aux avant-postes du côté du Red Star. On a clairement envie d'aller devant le but ajaxien. Yelch qui est face à Poggi. Le ballon retouché par Riviran. Ça revient sur Pierrick Rousse, la transversale. Il n'y a personne hein, pour reprendre ce ballon si ce n'est Johan Andreu. Allez, bonne ouverture d'Andreu. Il a hésité à sortir, Planté, il est rapide, bouger de rat. Et c'est couvert par Fardin. Allez, dégagement de Planté. Le duel aérien remporté par Poggi. Diédiou qui a bien protégé son ballon. Allez, dégagement de Marie. Allez, la borde. Oui, il a vu l'appel de Kevin Lefebvre, c'est bien fait. Ouh, attention à ce dégagement au pied là de Maury. La borde qui va tenter de redonner ce ballon à Lefebvre. Il n'y a pas de hors-jeu. Ah, il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Je me demande s'il n'a pas tenté le lob, même la borde. Hein. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il a quand même cherché Lefebvre. Mais quel dommage que Lefebvre n'ait pas vu Lee qui était sur sa droite. Il avait la possibilité, au lieu de contrôler, de jouer en une touche de balle, de dédier ce ballon. Lee qui était lancé face au jeu. C'est dommage. Et il me semble qu'il va y avoir un carton de sortie pour l'arbitre et ça va être pour Florian Fabre. Lui qui avait une belle opportunité en tout début de match. Deuxième joueur averti du côté du gaz après Cyriac Riviran. L'ancien milieu de terrain du Zès hein, qui prend un carton. Allez Castro qui est face à Fabre justement. Il est passé Castro. Il laisse jouer Johan Hamel. Et ça repart avec Julien François. Bouger de rat. Avec l'Arbi maintenant, encore Bougédra. Il a un peu raté son contrôle, mais il a toujours le ballon, Bougédra. Oh, c'est bien fait ça pour Poggi. Il laisse l'avantage, Johan Hamel, la talonnade de Poggi pour l'Arbi. Allez, qui a vu l'appel dans la surface de Julien François. Ça joue bien hein, du côté du gaz. Hein. L'Arbi est en train de faire le match qu'on attend de lui. Il avait déjà été très bon hein, à Foix face à Luznac. Hein. Il était très content de lui en fin de rencontre. Il l'avait déclaré, Thierry Loret. Ouais, il avait été bon, mais c'est vrai que pas sur toute la durée du match. Alors que là, depuis le début, l'Arbi est quasiment dans toutes les situations. Il avec d'ailleurs Bougédra et avec ce ballon pour Poggi, le centre premier poteau, ça va être pour Diédiou. Ouais, l'intervention d'Allegro. Ah, il avait le 2-0 au bout du pied là, Diédiou, même si elle n'était pas évidente à récupérer cette balle. Ouais, c'était très chaud là dans la surface francilienne avec Diédiou qui n'a pu reprendre ce ballon qui était dans son dos, mais. Encore un bon déboulé côté droit. Et pour conclure ce que vous disiez sur l'Arbi, c'est vrai qu'il avait surtout été bon en deuxième période. La période en fait qui avait coïncidé avec la grosse domination de son équipe face à Luznac. Ouais, il aura raison. Alors que là, depuis le début du match, l'Arbi est présent vraiment de manière continue. Et là, ça devient vraiment très intéressant parce qu'il a un potentiel monstrueux. 26 ans, hein, Mohamed Larbi, lui qui est né en Tunisie. Alors il est né en Tunisie parce que ses parents étaient partis là-bas en vacances durant l'été. Ses parents qui habitaient du côté d'Orléans. Et puis ensuite, il est passé par l'USO dans sa jeunesse. Julien François qui a fait un petit festival sur le côté. Et attention, c'est lui qui va centrer ce ballon dans la surface. C'est directement sur Allegro. Là, c'est Bougédra qui a mis ce ballon. Très bien revenu pour défendre. Déjà 10 minutes de jeu hein, dans cette seconde période. Beaucoup d'intensité hein, dans ce match entre le Gazélec et le Red Star. Ah, ces deux équipes du haut de tableau, on le rappelle, hein, le gaz qui ferme le podium et le Red Star qui est juste derrière. À 5 points au coup d'envoi de ce match. Et la remise en jeu de Julien Yelch.
Il y a peu de solutions hein, face à lui. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi le Red Star n'a pas commencé comme ça, vu l'enjeu de ce match pour eux. Ce sera peut-être, faudra peut-être leur demander en fin de match. Peut-être avait-il peur de... Mais tu sais que le match des Ajacciens, parce que c'est vrai qu'à domicile, on a tendance à mettre le feu d'entrée. Mais tu sais que la question, elle est encore plus générale que ça. Tu le disais tout à l'heure, et c'est un fait, c'est statistique. Mais cette équipe, elle est surtout bonne en deuxième mi-temps. Ouais, et puis il y a aussi Ajaccio qui a fait une très très grosse en termes de match. Hein, monsieur. Oui. Il y a son adversaire en face. Oui, oui, bien sûr. Mais le Red Star leur a permis de faire aussi cette entame, parce que dans leur dispositif, on avait quand même une équipe beaucoup plus défensive. Alors que là, en repositionnant les joueurs, on a clairement affiché. Et bon, ce centre de Yelch. Et il est bien dégagé. Makedjou va faire l'effort. Il est rapide aussi, Fabre. Il est le contre-favorable avec Larbi. Encore Florian Fabre. Ouais, bon retour de Ludovic Fardin. Il est important ce ballon récupéré par le natif d'Aubervilliers. Fabre qui est déçu parce qu'il y avait nettement mieux à faire sur cette situation entre Larbi et Fabre. Puis derrière, il a pris un petit coup, donc un petit peu contrarié. Pierre Cros. Bonne lecture de jeu de Cyriac Rivieran, mais ça revient sur Yelch. Elle est belle la chandelle. Et elle est dégagée par Martinez. Encore Yelch. Le 1-2 avec la board. Oh, le centre en première. Attention, et la sortie des deux pieds de Clément Maury. Et c'est un corner obtenu par le Red Star. C'est le deuxième du match seulement, le premier dans cette deuxième période pour les Odoniens. Voilà, là il y a du risque, il y a de la prise de risque, il y a de l'ambition sur les transmissions du côté du Red Star. Allez, ballon second poteau, la tête de Kroos, c'est l'égalisation du Red Star, mais le drapeau s'était levé. Hein. Alors là, il va falloir faire attention au positionnement des joueurs. J'aimerais savoir qui c'est qui était hors jeu. Alors est-ce que c'est au départ de l'action? Il faudrait voir parce que. En tout cas, c'est Kroos hein, qui avait mis ce ballon dans les filets de Clément Maury. On va revoir ça. Hein. Sur les images de Raphaël Gaborio. Et c'est pas une faute peut-être d'ailleurs qui a été signalée hein, de Kroos. Non, c'est Lee qui est hors jeu. Non, c'est Lee qui avait marqué. Lee qui a été signalé hors jeu. Non, je crois que l'arbitre a fait un geste, un joueur s'est appuyé sur l'autre. Ouais, donc c'était une faute de Kroos, effectivement, ouais. Sur ce ballon remis à Lee. Hein. En tous les cas, le drapeau était élevé. Hein. Bon. Toujours est-il que le but n'est pas validé. Rivieran. Ouais, le centre second poteau est planté. Il fait des interventions importantes hein, en cette seconde période, Vincent Planté. On a l'impression que le score va quand même évoluer d'un côté ou de l'autre assez rapidement dans cette deuxième période. Hein. Ouais, ouais, à mon avis, on risque de voir des buts. C'est vrai que ça balance. Hein. Et là, le Red Star qui se donne les possibilités d'aller marquer ce but, ça, c'est que ça ressemble quand même à autre chose. Hein. Oh, c'est bien fait, la fin de corps de Gaëtan Laborde face à Rivieran. L'accélération du joueur prêté par Bordeaux. Et c'est loupé là-dessus, Philippi. La frappe et l'égalisation de Young Jaili. Son but venait d'être refusé il y a quelques minutes. Et il vient marquer lui aussi son quatrième but cette saison, juste avant l'heure de jeu. Superbe but de lui, mais vraiment un très très beau but d'attaquant parce que ce ballon, il était dans le dos. Il a réussi à se retourner en pivot, il a mis cette frappe croisée, magnifique. Impossible à arrêter pour Maury, vraiment un très très beau but d'attaquant. Et comme quoi, quand on attaque, eh bien, quand on se donne les chances d'aller de l'avant, donc de faire du jeu, eh bien, parfois ça paye. Le Red Star est récompensé en... En un quart d'heure, ils sont même pas récompensés de cette initiative offensive. On a l'habitude de voir Gaëtan Laborde buteur. Il a été passeur décisif. Et c'est encore lui là qui va remonter ce ballon. Gaëtan Laborde. Et en tout cas, il a été bien inspiré. Hein, Sébastien Robert de placer Lee dans l'axe à la pause. Parce que ses appels font mal à cette défense ajaxienne. Oh, c'est encore lui là qui était parti dans le dos. Allez, la remontée de balle de Martinez. Et le public qui donne de la voix. Avec Bougédra. Ah, il est face à Allegro. Encore Bougédra. La frappe et l'arrêt de Vincent Planté. Belle chevauchée de Rafik Bougédra. Ouais, tout à l'heure, on a vu une action collective du côté du Red Star qui a amené le but francilien. Et bien là, réponse ajaxienne avec Bougédra. On connaît sa qualité de dribble, sa percussion. Et bien, il n'a attendu personne pour aller défier Planté. Il a fait ce qu'il fallait. Et il est tombé sur un gardien vigilant qui a réussi à détourner ce ballon en corner. Qui est très important hein, dans cette deuxième mi-temps, Vincent Planté. Hein. Ah oui, non, mais il leur fait du souvent, bien. Hein. Comme souvent ouais. Cette saison, Planté, c'est quand même une valeur sûre. La déviation de Julien François, ça revient sur Lee. Il est pressé, Poggi.
Et ballon bien senti là qui arrive jusqu'à Bougédra, encore lui. Il est passé face à lui. Le centre de Bougédra, c'est sur la tête de Kroos. Allez, le fait qui fait l'effort. Gaëtan Laborde. Allez, bien pris par Rivieron. Allez, grosse bataille au milieu de terrain. Julien François à la régulière. Allez, qui va remonter ce ballon, l'ancien Messin. Allez, l'arbitre qui a le contre-favorable face à Makedjouf. Allez, Johan Andreu qui est face à Marie. Le centre d'Andreu. Ballon dégagé en touche par Allegro. Ouais, ça s'emballe. Même si ce centre était un petit peu court et repoussé par Allegro, ça s'emballe. On voit des offensives de part et d'autre. Oh, c'est bien fait ça de la part de l'arbitre, mais il a trop poussé son ballon. Et le fait traîner par là. Il a bien pris le fait à son tour et finalement l'arbitre parvient à mettre ce ballon en touche. Ouais, le fait était un petit peu loin et il avait un joueur ajaxien face à lui. Mais on a vu de suite le coup d'œil. Il a vu Maury avancer et on soupçonnait une volonté de frapper de loin. Et on est à l'heure de jeu et ce Gazelec Red Star est loin d'être terminé. Les Corses qui avaient ouvert le score au quart d'heure de jeu par Julien François. Égalisation à la 58e de Young Jaili. Et tout reste indécis hein, pour la troisième place. On va rappeler quand même le calendrier des deux équipes à venir. Alors on le disait tout à l'heure, hein, le Red Star qui va se déplacer à Uzès lors du prochain match. Ils recevront Fréjus et le termineront à Strasbourg. Pour le Gazelec, prochain match à Amiens. Et puis ils joueront ensuite face à Carquefou. Et il y a un match face à Uzès entre temps également. Ouais, un calendrier presque similaire. Enfin, je veux dire, y a pas forcément, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui soit plus facile que l'autre. Mais nul doute que si le Red Star parvenait à gagner ce soir, eh bien, psychologiquement, il prendrait quand même un petit ascendant, même si deux points, c'est pas négligeable. La dernière victoire du Red Star, c'était le 21 mars dernier à Colmar, 2-0. Sinon, il reste sur une défaite à Dunkerque, on l'a dit, et un match nul à Perola face à Bourg. Gaëtan Laborde, allez, qui va aller provoquer Fabre. Il a un peu oublié le ballon, Laborde, mais il s'en sort bien. Ouais, c'est très bien fait parce que derrière... Ouais, c'est très bien fait parce que derrière, il s'est battu pour récupérer ce ballon. Allez, transverse à la destination de Laborde. Elle est trop forte, cette balle. Allez, encore Laborde. Ah, qui s'est battu là face à Favre et qui est allé faire faute. C'était un petit peu limite comme faute, il n'y avait pas grand chose. La Borde qui s'est battue à mon sens à la régulière. Il est tout simplement passé devant. Il a bien retenu la chaussure derrière Favre. Allez, attention à Poggi qui est face à l'héros. Poggi la frappe et c'est au-dessus. Ah, il a essayé d'emballer la défense du Red Star. Ouais, l'initiative était bonne de Poggi parce qu'on sentait qu'il avait envie de s'appuyer sur Diédiou, voire le trouver en profondeur. Et il a vu que ce dernier n'a pas réussi à faire la différence. Et il en a profité pour frapper au but. Sa frappe s'est envolée, mais difficile de lui reprocher quoi que ce soit. C'était bien fait. Avec Gaëtan Laborde qui est en discussion avec l'arbitre Johan Hamel. Et le voilà Gaëtan Laborde. Ouais, parce qu'il y a un petit accrochage en fait qui a échappé à tout le monde entre lui et Julien François. Oui, ouais, on l'a vu, mais il y est vraiment pour rien. Sur le coup, j'étais en plus, je regardais le duel. Il a joué le ballon. Ah, mais c'est après que ça s'est joué. Oui, oui, j'ai vu. Et Julien Jelch, ouais, qui a été bousculé par Fabre. Attention, il a déjà été averti, hein, Florian Fabre. Ah, qui a fait beaucoup de bien au milieu de terrain du Gaz également en cette année 2014. Pierrick Rousse. Ah, il y avait une grosse intensité et là, 65e minute de jeu, ça retombe un petit peu. Avec Rousse. Ah, qui a donné ce ballon directement à Julien François. Larbi qui va essayer de lancer un contre. Ah, il s'arrache Larbi mais c'est dans les talons de Poggi. Il revient à la faute, Johan Hamel. Ouais, faute logique, attention à cette prise de risque de Kroos parce que jouer à 1-2, venir de l'arrière,
sont un petit peu dangereux. Allez, Diédiou. Ouais, c'est bien fait ça. Bon ballon pour Poggi. Allez, le centre de Poggi. Et c'est dévié, ça revient sur la board. Qui va essayer de lancer le fait. Allez, bonne intervention de Roderick Philippi. Ça va d'un côté à l'autre. Et on a quand même l'impression sur les contre-attaques de cette équipe du Red Star que devant il y a, ça manque un petit peu de soutien avec mis à part Diédiou et Rafik sur le côté, mais ça, pour les milieux de terrain, il n'y a pas vraiment de solution devant. Le Gazelec, tu veux dire? Oui, le Gazelec. Exactement. Oui, tu as raison Laurent. Je pense que le Gazelec, à mon avis, est un petit peu prudent, un peu plus prudent que le Red Star. Ouais, ils ont peur des contres. Hein. Alors il y a Chibumbu qui pourrait rentrer ou Alim Madi qui sont des joueurs offensifs et qui ont été convoqués par Thierry Loret. En attendant, il n'y a pas eu de remplacement dans ce match. Hein. Ouais, mais il y a 6 joueurs qui s'échauffent, 3 de chaque côté, donc peut-être bientôt, alors qu'on a dépassé l'heure de jeu, bientôt peut-être les premiers changements. Ouais, c'est le moment habituellement. La tête de Philippi. Yelch. Et le long ballon, il est en jeu, Lee. Mais non, le drapeau ne s'est pas levé, si, si. Il a tardé à lever son drapeau, l'arbitre assistant. Et du coup, Clément Maury va pouvoir dégager son équipe. Et il va le jouer long, hein, ce ballon. L'ancien portier de Brive et de Toulouse-Fontaine. C'est sur la tête d'Allegro. Julien François qui va lancer Diédiou. Ouais, c'est dégagé en touche par Allegro. Et encore François, ouais, qui a été bousculé et qui a obtenu un très bon coup franc. Alors il le disait à la mi-temps, Julien François, Flo Fabre, Florian Fabre, il les frappe très bien, les coups de pied arrêtés. Il avait trouvé sa tête sur un corner en première mi-temps. C'est un peu ce qu'il a cherché là, je pense, Julien François. Ouais, il a cherché, il a trouvé, une mauvaise défense de Castro. Un attaquant qui vient défendre, ben c'est toujours moins efficace. Ah mais c'est plus utile quand Fabre est à de son pied gauche, j'ai l'impression que de son pied droit. Ça va lui dire, si, Laurent. Si vous constatez la même chose, mais bon. Ah, moi j'ai l'impression qu'il... En tout cas, il va leur frapper pied droit. Ah, il est aussi à droite d'un pied comme de l'autre. Et c'était bien près pied droit d'ailleurs que le but... avait été donné à Julien François. Ah, il est concentré, Fabre. Il est bien frappé au second poteau. Oh, il cherchait François, justement. Elle est sortie, cette balle. Hein. Ouais, c'était, à mon avis, c'était volontaire. Julien François qui s'était écarté sur ce coup de pied arrêté pour offrir une solution au deuxième poteau. Malheureusement, ce ballon est sorti, mais c'était bien essayé. Et il a préféré assurer la Syriac Rivieran et balancer le ballon directement en touche. Ça va être pour l'ancien joueur de Sochaux, du Neuchâtel Xamax de Reims et d'Amiens, Julien Yelch. Qui lui aussi en a fait une belle carrière. Et qui n'est pas terminé d'ailleurs. 31 ans, il a encore quelques années devant lui. Il est bon ce centre à la limite du hors-jeu, Yong Jaili. Ah, il est hors-jeu encore, le drapeau s'est levé. C'était encore limite ce ballon de Marie, pied gauche sur la tête de Lee. Alors, sans regret parce que cette tête était dévissée, mais encore une grosse situation pour le Red Star. Et ici, il était hors jeu, c'était vraiment limite. Attention à la tête de Lee. Allez, les gros dans les airs. Remise en jeu à venir pour Johan Andreu. Alors il se passe quoi? Johan Hamel va aller discuter. Alors avec qui? Avec l'officiel, avec l'un des délégués d'ailleurs. Et avec Sébastien Robert également. Ça va aller. L'entraîneur du Red Star a été rappelé à l'ordre par l'arbitre. Alors je sais pas Laurent si t'as entendu ce qui s'est passé, toi qui es pas très loin des bancs des deux entraîneurs. Allez, ballon
qui revient dans la défense du Gazélec. Gaëtan Laborde. Et le ballon qui a été enlevé par Pablo Martinez. Et c'est Castro qui parvient à protéger cette balle. Et Ludovic Fardin. Et le Martiniquais qui va essayer de glisser ce ballon dans le clou. Hein. Il a trouvé Jelch. Le centre de Jelch par-dessus la défense, c'est bien fait pour le fait. Et le drapeau s'est levé une nouvelle fois. C'est limite à chaque fois. Hein. Ouais, c'est vraiment limite. Il va falloir que les Ajaxiens se méfient parce qu'à un moment donné, un joueur francilien ne sera pas hors jeu et ça pourra aller au bout. Plutôt que se soucier de gérer ce hors-jeu, il va falloir surtout cadrer bien le porteur et empêcher ces ballons longs par-dessus la défense qui sont très dangereux. Et attention à Poggi qui est passé, bonne intervention de Jelch. On est rentré dans les 20 dernières minutes de ce Gazélec Red Star. Et on est à un peu plus de 3 journées de la fin maintenant. Et avec ce résultat, toujours 5 points d'écart entre ces deux équipes. Un résultat qui finalement n'arrange personne, hein, Hilbert. Enfin, ça arrange plus le Gazélec que le Red Star, malgré tout. On conserve 5 points d'avance, les journées passent. 5 points en 3 matchs, ça se récupère pas comme ça, quand même. Mais je pense que si le Red Star ne gagne pas ce soir, ça va être compliqué d'espérer grand-chose dans ce championnat. Et l'ouverture de Jelch, c'est pour Laborde. Qui a vu l'appel de Fardin dans l'axe, la belle fin de corps de Fardin qui va changer de côté pour trouver Romuald Mari. C'est une autre équipe francilienne dans cette deuxième mi-temps. Il n'y a rien à dire, le Red Star a pris l'ascendant dans ce match. Même si le Gazélec reste dangereux sur quelques contres. Ouais, bonne récupération de Fardin là, face à Bougédra. Ouais, la touche concédée là par Rafik Bougédra. Marie qui a joué avec le fait. Yong Jae-li qui a le contre favorable. Et il va le sud-coréen. Il a une solution avec le fait. Attention à le fait. Et la superbe sortie de Clément Maury. Et il est important cet arrêt du portier du Gazélec. C'est exploit de Maury parce que là il y avait. C'était plus qu'une balle de but. Ce superbe ballon de Lili qui avait fait la différence sur cette action et qui a parfaitement décalé. Le fait qui habituellement il aimait ce ballon. C'est vrai, hein. C'est un tueur, hein, Kevin Le Fay. Il va y avoir un premier changement du côté d'Ajaccio après cette action, puisque Madi va remplacer Rafik Bougédra. Alim Madi, ça va être du poste pour poste. Hein. Quelle occasion pour le Red Star. J'ai l'impression qu'il a un peu écrasé sa frappe, Le Fay. Étonnant. Alors on va suivre ce coup franc intéressant là pour le Red Star. Il est frappé par Makedjouf, il est direct, il est relâché ce ballon par Maury. Et grosse confusion dans la petite surface. Et intervention de Johan Hamel. Un coup franc très dangereux avec un rebond juste devant Maury qui a eu du mal à se saisir du ballon. Les attaquants avaient bien suivi et il s'en est fallu de peu. Hein. Ça chauffe vraiment ici à Ajaccio. Le Gazélec est en grande difficulté. Allez, on va suivre le premier remplacement du match. Et donc Rafik Bougédra qui aura été très remuant encore hein, ce soir et qui va être remplacé par Alim Madi. C'est du poste pour poste. Alim Madi qui a perdu sa place de titulaire hein, au cours de la saison d'ailleurs. Lui qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Qui joue pour les Comores. Prêté par Evian Tolongaillère hein, ce joueur. Il a fait son match, Bougédra encore. Ouais, il a fait un bon match. Très actif, percutant. Et François qui a pas réussi à reprendre cette balle. Fabre le remet à la limite du hors-jeu avec Diédiou. Qui est tombé devant la surface sous les yeux de l'arbitre qui laisse jouer. Cyriac Rivieran. Et le centre de Rivieran. C'est dégagé par Jelch et ça revient sur Fabre. Premier ballon pour Alim Madi. Il est technique, hein, ce Alim Madi. Il est tombé dans la surface et le point de pénalty indiqué par Johan Hamel. Il n'a pas hésité une seconde d'arbitre. Il vient de rentrer Alim Madi et il obtient un pénalty
dans le dernier quart d'heure de ce match. On va revoir ça, on va revoir ça. Raphaël Gaborio va nous recaler ça. Gros coup dur là pour le Red Star parce que eux qui menaient depuis le début de cette deuxième période. C'est Romuald Marie hein. Ah ouais, qui laisse traîner la jambe. Eh ouais. Ça me semble logique. Marie a eu le tort de laisser traîner sa jambe droite qui est venue alors pas toucher violemment son adversaire, mais suffisamment pour le déséquilibrer et pour forcer l'arbitre à siffler ce pénalty. Alors c'est pas une énorme faute, mais vu les images, eh bien. Et attention, le pénalty est confirmé. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, Famara Diédiou, l'international olympique sénégalais qui peut inscrire son 11e but cette saison. Et il est face à Vincent Planté qui a été impérial au cours de cette seconde période, au cours de ce match même, on peut le dire. Ah, Julien François rappelé à l'ordre par Johan Hamel. Tout comme d'ailleurs Louis Poggi. Faut qu'il fasse attention quand même, hein, Julien François, c'est pas la première fois qu'il est averti par l'arbitre. Avec grosse pression là pour Diédiou parce que il a 3 points au bout du pied et il peut éloigner le Red Star à 8 longueurs au classement à 3 journées de la fin. Et ça c'est très important. Hein. Famara Diédiou. Et c'est dedans. 11e but cette saison pour Famara Diédiou le soir de ses 22 ans. Et il fête son anniversaire comme il se doit. Et le Gazélec reprend l'avantage dans ce match. Ouais, pénalty parfaitement transformé à contre-pied de Vincent Planté. Diédiou qui vient donner l'avantage à son équipe, qui pourtant était malmenée dans cette deuxième mi-temps. Et voilà, un fait de jeu favorable aux Ajacciens. Eh bien, on peut un peu plus souffler. Hein. Et là, regarde, je pense qu'il y a une petite dédicace à Neymar. Il est en train de manger une banane, Famara Diédiou. Et il prend un carton jaune. Alors ça, il prend un carton jaune de la part de l'arbitre. Alors ça, faudra m'expliquer. Hein. Je comprends. Alors là, vraiment, parce que quand on leur balance des cartons, des bananes sur la pelouse, voilà, il y a trop rien qui est fait. Et là, il se prend un carton parce qu'il mange une banane. Ouais, c'est étonnant, c'est pas dans l'esprit du jeu. Non, c'est n'importe quoi. Je pense pas qu'il y ait une règle qui dise qu'on n'a pas le droit de manger. Mais surtout une banane. Les signes religieux et politiques sont interdits sur le terrain. Il n'y a rien de religieux et de politique. Non, pas du tout. Il n'y a rien de provoquant non plus vis-à-vis de l'adversaire. Ça serait intéressant de demander à l'arbitre pour quelle raison. Ouais, en tout cas, c'est pas du tout dans l'esprit. Hein. Disons-le, c'est débile. C'était un truc qui était préparé avec le gardien remplaçant qui est tout de suite arrivé avec la banane et qui a balancé. Le geste était plutôt, le clin d'œil était plutôt sympa, c'était un petit peu à la mode ce qui se fait depuis. Non mais surtout que c'est pas provocateur, il n'y a rien de méchant vis-à-vis du Red Star. C'est clair. Moi j'ai pas trop compris. Bon, en tout cas, il y a un carton qui a été sorti par Johan Hamel. En tout cas, il donne pas la banane hein, Johan Hamel. Hein. Un carton jaune pour Gaëtan Laborde. Hein. Non mais c'est vrai, il est pas funky quoi. Et Roderick Philippi, et elles vont être très intenses ces dernières minutes. Et on vous l'a dit et répété, attention à cette équipe du Red Star qui a l'habitude de marquer en fin de match. Nico, on va peut-être un petit mot avec Rafik Bougédra qui est sorti. Mais vous étiez malmené en deuxième période, ce pénalty arrive à point nommé. Hein. Ouais, bah, c'est un très bon choix du coach parce que dans cette deuxième mi-temps, on a tous fait beaucoup d'efforts et faire rentrer des joueurs frais comme Ali qui peuvent percuter à tout moment, ça peut nous créer deux occasions, donc ça m'a joué de sympa. Ok, merci. Et puis tu diras à tes coéquipiers que visiblement on n'a pas le droit de manger de banane sur le terrain. Et je peux passer un petit coucou à ma maman qui est à l'hôpital en ce moment. Je lui fais de gros bisous et je l'aime. Voilà. Merci, le message est passé. Ah bah on l'embrasse aussi ta maman alors, Madame Bougédra. C'est ça. Vous avez un fils formidable, une belle mentalité de la part de Rafik Bougédra. Il a cédé sa place à Madi. Alors qu'il va y avoir un double changement du côté du Red Star avec les entrées en jeu de Lafont et Tulane. C'est rare pour être signalé et c'est très bien. Ah, il avait prévenu à la pause, hein, Sébastien Robert, il allait tenter le tout pour le tout, ça va venir donc avec un double remplacement en attendant ses hommes. On va essayer de revenir et d'égaliser à nouveau dans ce match, il leur reste 12 minutes à jouer. Et il avait parfaitement raison, il avait bien calculé son coup, il réussissait son coup, mais c'est sans compter sur un fait de jeu, cette faute dans la surface de réparation qui a coûté le pénalty à son équipe. Allez, ballon récupéré par Fabre. Avec Poggi. Le centre de l'Arbi. Il est bon ce ballon de l'Arbi. Diédiou. Et c'est au-dessus. Superbe centre de l'Arbi. Tout à l'heure, on l'avait vu pied gauche. Avait adressé un très bon centre à Diédiou. Et bien là, pied droit. L'Arbi était aussi à l'aise.
Et les remplacements vont avoir lieu du côté du Red Star. Avec la sortie de Florian Makedjouf. Ah, forcément, il va enlever un milieu de terrain pour faire rentrer des joueurs plus offensifs. Sébastien Robert, Geoffrey Tulane, ancien de Sochaux. C'est ça, 16e entrée en jeu, hein. 16e utilisation en tant que remplaçant à Geoffrey Tulane cette saison. 26 ans hein, déjà pour lui. Et Castro qui cède sa place à Alexis Lafont. Joueur plus percutant sur le côté. Donc dans ce système, ça ne pourra être que mieux pour le Red Star. Lafont qui est un garçon qui aime bien évoluer côté gauche. Ancien joueur de Fréjus, Kian Créteil, Rouen Martigues, lui qui est né à Versailles, hein, d'une maman anglaise, et qui a marqué un but cette saison. Et je crois qu'on va aussi procéder à un changement défensif du côté d'Ajaccio, puisque l'arbitre va céder sa place à Collinet d'ici quelques toutes petites secondes. Ah, effectivement, c'est défensif. Hein. Collinet qui a même joué défenseur central à Foix la semaine dernière. Avec Eric Kroos, il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et le Gaz mène 2-1 face au Red Star et prend 8 points d'avance sur son poursuivant au classement. Les buts, François à la 16e, l'égalisation de Lee à la 58e et à la 76e, Diédiou a transformé un pénalty. Et le voici, Famara Diédiou, bien pris par Kroos. Bien fait, Yelch là, tacle glissé. De Diédiou. Encore Famara Diédiou, c'est bien fait pour Louis Poggi. Très très bien fait. Le centre de Poggi, il est bon et il a un chouïa trop court. Sur ce coup-là, c'était Madi. Et superbe action pour le Gazélec qui n'est pas fini. On va attendre la fin avec ce centre de Julien François. Ouais, il ne trouve pas preneur. Hein. Ce ballon, par contre, ça revient dans les pieds de Julien Yelch. Ouais. Cette action se termine maintenant. On a vu un superbe dédoublement là, de Poggi avec Diédiou qui a. Il a bien glissé le ballon en profondeur et le centre était magnifique pour la tête. C'était l'arbitre, non, c'est pas l'arbitre qui a pris de la tête dans l'axe qui a essayé de reprendre la tête. C'était Madi, Ali Madi. Voilà, on leur voit cette action. C'était un petit peu court. Oui. Il manquait un petit peu de taille là sur cette tête. Et la sortie des Mohamed Larbi. Qui lui aussi hein, aura fait un drôle de match. Alors il est limite malchanceux parce qu'il aura trouvé la barre hein, au cours de cette rencontre notamment. Il aurait presque mérité de marquer Mohamed Larbi. Ouais, il a fait un match complet. Très complet, oui. Ouais, c'est l'homme du match pour l'instant pour moi. Ouais, et c'est Collinet qui va rentrer. 38 ans, Anthony Collinet, lui qui effectue son troisième passage à Ajaccio au Gazélec depuis 2008. Il avait un premier passage en 2000-2002, en 2003-2006 et donc depuis 2008 il est de retour à Metzave, le natif de Fécamp. Un coup franc signalé là par Johan Hamel. Faute de Yelch sur Poggi. Je suis effectivement très curieux pour en revenir à cette histoire de banane de savoir pourquoi Johan Hamel a sorti le carton. On ira essayer de lui demander à la fin du match. Il n'a pas réussi à reprendre cette balle là. En théorie, je pense que c'est l'application stricte du règlement. On n'a pas le droit de manger sur le terrain. Je peux me renseigner avec le délégué. Ouais, tiens, demande, tiens. S'il te plaît, Laurent, merci. Allez, corner à venir pour le gars, c'est le 6e du match. Et voilà cette image à la 76e minute de jeu après son pénalty transformé. Ils auraient mieux fait lui offrir un gâteau hein, finalement. Pour ses 22 piges. Il s'est frappé par Florian Fabre. Au premier poteau encore, la déviation de la tête de Julien François. Et le ballon a été retouché par un joueur du Red Star. Ouais, Julien François qui est venu encore au premier poteau essayer de couper la trajectoire de ce ballon. Et Fabre, il cherche à chaque fois François, c'est pas pour rien. Il le disait à la pause, hein, Julien François, ça sert pas à rien de mesurer 1m92. Ils ont dû le travailler à l'entraînement hein, avec Thierry Loret. Allez, encore Fabre. Oh, il est bien frappé ce ballon. Et encore un corner.
Et cette fois-ci, c'était Philippi qui est venu presque plus haut que planté. Enfin, il met le ballon planté. Pardon ? Il met le point planté. C'est planté qui dégage ce ballon. Mais voilà, le Gazélec qui est encore dangereux sur ses coups de pied arrêtés. Il a bien frappé une nouvelle fois et encore un joueur du Gaz qui s'impose. Il y a danger à chaque fois. Contre-avenir pour le Red Star. Avec la bande. Allez, bon retour de Julien François. Les ballons dégagés par Collinet qui a vu l'appel de Madi. Il est pris par Fardin. Encore Alim Madi. Avec Julien François. C'est bien fait de la part de Madi, fait du bien depuis qu'il est rentré à Alim Madi. Hein. Sa technique fait du mal aux défenseurs du Red Star. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et le Gaz mène 2-1 face au Red Star. Match très important et avec ce résultat, on le rappelle, hein, le Gaz pourrait valider sa montée en Ligue 2. La semaine prochaine à Amiens au stade de la Licorne, ce sera à suivre sur ma chaîne Sport. Ce but sur pénalty du Gazélec a vraiment coupé les jambes aux joueurs du Red Star. Il n'arrive plus à trop sortir. Mon cher Elder, on est dans les 5 dernières minutes, alors ils peuvent se passer encore beaucoup de choses. Mais il faut que tu me donnes la note du match. Tu pourras changer si tu veux à l'arrache en fin de rencontre. Tu restes sur Mohamed Larbi. Ouais, moi je reste sur Mohamed Larbi parce qu'il a fait un match complet. Ça fait un moment qu'on l'attend à ce niveau de pouvoir proposer ce qu'il sait faire sur toute la durée d'un match. Là ça a été le cas même s'il est sorti il y a 2 minutes. Alors, il y en a eu d'autres qui ont été pas mal. Hein. Julien François a été très bon aussi. Julien François a marqué en plus. Il a été à la limite de prendre un rouge aussi. Mais il l'a pas pris, c'est là où il a été très bon. Il a même pas pris un jaune, mais là c'est très très bon. Ouais non mais si tu vois quelque chose de bien de. Mais non, pas dans les fautes. Voilà. Mais d'accord. Donc il a été un petit peu limite. Mais bon, il y en a d'autres qui ont été bons. C'est vrai que Julien François a fait un bon match. Du côté du Red Star aussi, il y a eu des garçons qui ont été intéressants. Mais ouais, moi je dirais Larbi. Boujedra a été. Ouais, il a été encore très bon, Rafik Boujedra. Sur ce contrôle d'Allegro, ouais, bien fait derrière. À l'expérience, le capitaine du Red Star. Avec Tulane qui a complètement loupé son ballon. C'est repris par François. Avec Madi. Allez, il est frais, hein. Il est rentré il y a peu de temps à Alim Madi. Et il est soutenu par Fabre. Oh, il va revenir à la faute, Johan Hamel. Et il va y avoir un carton de sortie, ça va être en rouge. Carton rouge direct. Et c'est pour Lafond, il est rentré tout à l'heure. Et ils vont finir à dos, hein, à 10 les Odoniens, et là ça part un petit peu en vrille. Ouais, il n'a pas effectué de bonne rentrée, hein, Alexis Lafond. Non. Il a perdu un petit peu ses nerfs sur cette situation. Alors, il y a 2 minutes sur un ballon de contre, le Red Star qui partait en contre. En dehors de l'action, Alexis Lafond, alors qu'il était en train d'effectuer un appel de balle. Eh bien, a été repris par le maillot par Fabre qui l'a accroché. Et là, à mon avis, il a voulu se faire justice. Et là, il y a Vincent Planté qui est en train de lui passer un savon, Alexis Lafond. Alors, pas forcément parce qu'il a pris un rouge, mais parce qu'il restait sur le terrain. Du coup, il faisait perdre du temps, il énervait tout le monde. Et il lui a demandé de partir. Hein. À sa façon, Vincent Planté. Et c'est vrai qu'il pénalise son équipe. Hein. Lafond, forcément, hein, il reste 5 minutes à jouer. Je serais quand même curieux de voir le ralenti sur cette faute parce que. Alors c'est vrai que le geste, bon, il n'a pas le droit de venir tacler comme ça, ça sert à rien, il est loin du but. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment touché son adversaire. L'arbitre aurait. Je pense que. On va voir l'action. Non, il tacle à côté. Il tacle à côté. C'est vrai qu'après il emmène son adversaire. Mais au départ, on va le revoir là. Il tacle à côté. Il prend le pied quand même. Hein. Non, non, non. Nicolas, il tacle à côté et il ramène avec son talon pour essayer de toper le ballon. Et en effet, il prend le pied d'appui. Il y a faute, c'est une faute qui mérite un carton. Mais ça ne mérite pas un carton rouge à mon sens. Je suis désolé. Alors c'est vrai qu'avec le stade qui se lève, ce geste impressionnant parce qu'il arrive à 100 à l'heure sur le côté. Bon, c'est cas, sévère. C'est Johan Hamel, lui, il a sorti le carton rouge. Hein. Et du coup, le Red Star va devoir... réduit à 10, réaliser un exploit. Hein. D'ailleurs, si tu vois bien Monsieur Hamel, sur le coup, il s'apprête à mettre sa main à la poitrine pour sortir un carton jaune. Et quand il a vu tout le monde arriver vers l'action, eh bien,
finalement il s'est ravisé, il a pris le carton rouge dans sa poche du short. Allez, bon travail de Diédiou, car je vais derrière avec Johan Andreu. On va rentrer dans le temps additionnel. Allez, Florian Favre, il est bon ce ballon pour Poggi. Il a de l'espace, hein, Louis Poggi. Et il préfère temporiser, le capitaine corse, avec Rivian. En attendant, c'est vrai que là, le Red Star, eh bien... Oula, attention à Jelch, là. Ça les pénalise énormément. Il finira à 10, alors que... Ouais, des faits de jeu qui ont été défavorables au Red Star et qui... Ouais, et là, Thierry Loret est en train de faire signe au délégué que c'est terminé. Et on attend de savoir hein, combien de minutes additionnelles vont être données par le 4e arbitre. Et grosse ambiance au stade Ange Casanova, à Mezzav, à Ajaccio, où le gaz mène 2-1 pour l'instant. Et se rapproche d'une remontée en Ligue 2. Et messieurs, on va jouer encore 3 minutes minimum de temps additionnel. Merci Laurent. Et on y est en tout cas avant le temps additionnel. Hein. Yang Jaili, oh, elle est mauvaise cette passe et le ballon est récupéré par Louis Poggi. Oh la petite talonnade, c'est pour Madi, il n'y a pas d'hors-jeu. Le centre retrait, c'est pour Diédiou, oh, il a complètement dévissé. Famara Diédiou. Ouais, c'est très, très bien fait de la part de Poggi dans un premier temps et Madi ensuite. Diédiou par contre qui a complètement loupé sa frappe. Tiens, il va le prendre son carton Julien François. Oui, mais il n'en avait pas pris un déjà. Non, non, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah oui. Ah bah. C'est là où il est très fort, c'est ce que je te disais. Ah oui, d'accord, pardon. C'est pour ça que je te disais que c'est lui l'homme du match. Bien vu, Nicolas, j'étais persuadé qu'il avait pris un carton. C'est Florian Favre qui l'avait pris. Eh non, non. Eh bah, il s'en est bien sorti alors. Parce que alors là, pour l'ensemble de son œuvre. Alors qu'il y a un mec absolument adorable, hein. Julien François, en dehors du terrain. Bah, alors par contre, sur la pelouse, il fait le boulot, comme dit l'autre. Ah, et Clément Maury qui va rassurer ses défenseurs et surtout ses supporters. Voir ouais. Son entraîneur qui n'arrête pas de regarder sa montre, hein, Thierry Loret. Ouais, il faudrait maintenant un miracle hein, pour que le Red Star puisse revenir dans la partie parce que même avec un match nul, eh bien, ça ne suffirait pas. Ah, la tête de Rivieran et la faute de Tulane sur Syriac Rivieran. Coup de sifflet du Hanamel. Ah, et Mezzavia qui est pas loin d'exulter. Hein. Alors même si mathématiquement rien n'est fait, le gaz est quand même tout proche de la montée. Si le score en reste ainsi. Hein, et ça doit faire quoi? Le 6e ou 7e match du Gazélec sur ma chaîne sport, ils n'avaient jamais gagné. Hein. On était des chats noirs pour rien ne vous cacher. Ils n'étaient pas toujours très contents de nous voir. Hein. Alors on est merveilleusement bien accueillis, c'est pas ce qu'on veut dire, mais forcément on était un peu les chats noirs. Et c'est terminé! Ma chaîne sport n'est plus le chat noir du gaz qui s'impose 2-1 face au Red Star. Et le premier buteur, Julien François, la 16e, l'égalisation des Odoniens, la 58e. Yong Jaili est sur pénalty, Famara Diédiou. Et bien redonner l'avantage aux Corses après un corner, ou plutôt pénalty obtenu par Alim Madi, tout juste rentré en jeu. Le voici, Alim Madi.